Et si nous avions tort en réalité sur notre monde, et que là où nous voyons une fin, c'est en fait un début, qu'il y a un cycle dans notre existence, et que tout est à reconstruire, à refaire, comme une boucle sans fin, et que la mort n'était qu'une étape de ce monde. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Mais quelle promesse ? Je jure d'utiliser mes connaissances pour le bien de l'humanité. Je promets de ne jamais faire de mal à un être humain ou à un animal dans ma quête de savoir. Je jure de les chérir. Je ne devrais pas utiliser mes connaissances pour mon profit personnel. Si je trahis ce serment, que la beauté et les prodiges de l'univers me soient à jamais cachés. Attendez ! Je dois faire quoi pour me racheter ? Il y a peut-être une façon. Que tu joues. Que je joue ? Si tu gagnes, tu le rejoins. Et si je perds ? Tu vas en bas. Alors ? Les règles sont simples. Ceux qui ne respectent pas les règles d'en haut sont condamnés à errer dans ces lieux. À moins qu'ils ne retrouvent ce qu'ils ont perdu. C'est quoi ? Un collier ? Un bracelet ? Ça, toi seule le sais. Alors, je dois retrouver un objet que j'aurais soi-disant perdu ? Tout à fait. Ceux qui ne retrouvent pas cet objet sont condamnés à errer seuls ici, pour toujours. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais enfreindre les règles. On est d'accord. Je rentre dans la forêt, je trouve l'objet, et hop, je suis avec mon père. Pas de dragon, pas de sorcière ? Non, juste toi et la forêt. Tu n'as qu'une heure pour retrouver l'objet. Sinon, tu deviendras une âme vagabonde. C'est chouette ! Une quoi ? Bon, faut pas traîner. Une quoi, une âme... C'est quoi une âme vagabonde ? C'est quoi des âmes vagabondes ? Ce sont tous des gens comme toi qui ont enfreint les règles. Tu te souviens des étoiles ? Eh bien, en fait, ce sont des gens qui ont perdu et qui se sont retrouvés et restent ici. Mais c'est horrible ! Mais tellement joli ! Je saigne. La forêt est ton deuxième ennemi. Elle fera tout pour que tu ne puisses pas pénétrer en son cœur. Le deuxième ? C'est qui le premier ? Toi. Twinkle, twinkle, little star, don't you know what you are ? À ton avis, est-ce qu'elle va perdre ? J'aimerais bien. J'ai envie qu'elle devienne toute jolie. Plus que 30 minutes. À ce rythme-là, tu ne reverras jamais ton père. Taisez-vous ! Aidez-moi ! Ok, non. C'est tellement plus drôle de te voir en train d'essayer de te débattre comme une petite souris. Plus que 20 minutes. Le jeu risque de s'arrêter avant même que je ne me sois amusée. Elle n'est pas amusante. Je te pensais plus coriace. Plus que 10 minutes.
Bravo, tu as trouvé l'objet. Une heure, c'est trop court. À peine le temps de la voir souffrir. J'ai gâché mes souvenirs. C'était pas l'appareil que je devais retrouver, mais mes souvenirs. Eh oui, vous avez perdu. Je vais retrouver mon père. Il n'y a jamais eu de jeu. Les anges ne donnent pas de seconde chance. Vous m'aviez promis. On t'a menti. Tu ne pouvais pas gagner. Personne ne gagne. Mais alors pourquoi? Et tu t'imaginais quoi? Retrouver ton père et continuer à vivre comme avant? Créer des souvenirs, penser au passé? C'est pas ici qu'on vit, ma chérie. C'est en bas. C'est trop tard, maintenant. Tu avais perdu bien avant que le jeu commence. Au moment même où tu as sauté de ce pont. Au moment même où tu as abandonné. Quand on meurt, on ne revient pas. On laisse tout derrière soi, inachevé. Save us, save us, save us, save us.